Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là pour nous écouter parler de l'aventure Libre à vous. On est vraiment très contents de partager un peu cette aventure. C'est une première conf qu'on fait sous ce format pour parler de Libre à vous. Déjà, première question pour vous quatre. Est-ce que vous connaissez, j'imagine que oui si vous êtes là, mais pas forcément, est-ce que vous connaissez Libre à vous ? Oui, ok, super. Vous êtes des auditeurs et auditrices réguliers ? Non ? Plutôt podcast, FM ? Ok. Un peu les deux, d'accord. Donc plusieurs. Super. Bon, j'ai pas besoin de vous détailler du coup ce qu'est Libre à vous. Peut-être voilà, rappeler quelques détails sur l'émission. Donc on a la sixième saison, on a déjà produit 158 émissions. La 158e au 15 novembre, donc on commence à avoir quand même pas mal d'émissions derrière nous, de l'expérience de cette production d'une émission de radio, donc qui est diffusée en FM sur Radio Cause Commune, en région Île-de-France, on produit des podcasts, et on construit une émission autour, finalement, à la base de la ligne éditoriale, on va détailler, mais c'est de raconter les libertés informatiques, de parler des actions de l'April et de parler des actions de toutes celles et tous ceux qui font avancer la cause des libertés informatiques. Alors, souvent une question qu'on peut être amené à nous poser en toute légitimité, mais en fait on se l'est posée, c'est finalement comment l'April a bien pu se retrouver à faire de la radio ? Alors, déjà une opportunité, c'est-à-dire qu'on a rencontré donc la personne qui est directrice de la radio Cause Commune, directeur d'antenne en fait de la radio Cause Commune, qui s'appelle Olivier Grieco. Voilà, j'avais un doute sur le nom de famille, merci. Donc on l'a rencontré, donc c'est une radio associative qui d'abord existait que sur Internet. Et en fait, en 2018, ils ont gagné un appel d'offres pour obtenir une place sur la bande FM. Ils partagent. On peut dire que c'est très rare. Ouais. C'est très rare que des bandes FM s'ouvrent. Donc c'était vraiment. Il y avait d'autres candidats. Enfin, ils ont dû faire un vrai gros dossier auprès du CSA. Ils ont fait. Oui. Ils avaient beaucoup de concurrents. Ils ont fait un dossier costaud, béton. Le projet est beau parce que c'est une radio associative, c'est des bénévoles en fait qui produisent les émissions. Ce sont des émissions qui parlent de bien commun en général sur plusieurs aspects. Je vous invite d'ailleurs à découvrir d'autres émissions que la nôtre, il y en a pour tous les goûts, sur le travail, sur le temps libre, sur la société, sur le cinéma. Et du coup, c'était une opportunité parce que c'était la bande FM. L'avantage de la bande FM, c'est qu'on peut essayer de trouver de nouveaux publics. Parce que si vous aimez un sujet, un thème, vous pouvez chercher sur Internet, par exemple, des podcasts en lien. Par contre, si vous allez sur la radio et au pif, vous écoutez, vous cherchez des trucs qui vous intéressent, vous tombez sur notre émission, vous ne connaissez pas le sujet, ça peut vous donner envie d'en savoir plus, de creuser. Donc, c'est une opportunité en plus. De toucher au-delà de notre cercle habituel. Ouais. Exactement. Donc, ça fait partie des missions de l'April. On ne les a pas rappelées, mais promotion et défense du logiciel libre. Donc, promouvoir le logiciel libre, on s'est donné une autre modalité finalement pour le faire. Comme tout à sourd, en fait, on a des statuts. Et c'est vrai que dans les statuts, faire des émissions de radio n'en fait pas partie. Mais voilà, promouvoir le libre, oui. Et c'est vraiment là que cette, l'opportunité nous a paru pertinente. Quoi. Et donc, notre chose, on peut parfois nous dire, voilà, pourquoi pas le podcast ? Pour la raison qu'on vient d'évoquer, parce que l'FM permet de toucher de nouveaux publics. Donc, le créneau, c'est le mardi après-midi, comme le disait Étienne, de 15h30 à 17h. Donc c'est ça... Patty, mais tu fais bien de le rappeler. Voilà, le créneau, c'est pratique pour l'équipe salariée. Après, pas toutes les personnes intervenantes peuvent être disponibles sur ce créneau, mais pour nous, c'était important de faire une émission en direct. Parce que faire l'émission en direct, en fait, ça permet de capturer, de profiter de l'énergie qu'il y a dans les échanges quand on sait qu'on parle en direct à d'autres personnes. Ça n'empêche pas ponctuellement de faire des sujets préenregistrés. On évite, mais parfois il n'y a pas de disponibilité, donc on fait comme ça. Mais on enregistre quand même dans les conditions du direct pour garder cette énergie-là. Et puis c'est plus fun à faire, enfin, pas se mentir, c'est beaucoup plus amusant. Il y a un peu de trac, il y a un peu de... Voilà. C'était une radio associative qui émet sur Paris, donc c'est pratique aussi pour nous qui avons les bureaux sur Paris.
Voilà. Et puis on a notre collègue Fred Coucher qui adore la radio. Moi, j'étais moins radio, en fait, mais finalement, j'ai pris goût et je suis contente de faire partie de cette aventure. C'est-à-dire pourquoi aussi c'est important, parce qu'on s'est posé la question sur les créneaux disponibles, parce que Libre à vous, on va revenir dessus, mais ça se veut un projet vraiment collectif, c'est pas que les salariés qui le font, c'est vraiment, il y a beaucoup de bénévoles et c'est une équipe assez large. Vraiment, on partait à l'aventure, on savait pas du tout si on allait pouvoir tenir la route, comment on avait beaucoup de choses à apprendre, en fait, on savait pas tout ce qu'on allait devoir apprendre, l'idée étant d'être aussi autonome que possible. Mais on s'est dit que voilà, au moins, donc du coup, les trois membres salariés que nous sommes, on avait ce temps, on était sûr de pouvoir être disponible. L'idée, c'était est-ce qu'il vaut mieux privilégier un temps pour faciliter l'intervention des bénévoles, mais on s'est dit qu'il fallait mieux assurer un socle solide, certain, et puis voilà, essayer de construire derrière. Et puis bon, bah, visiblement, on a bien fait, parce qu'on a réussi à. Enfin, on continue à produire et on est toujours aussi motivé, bah, si ce n'est plus d'ailleurs, en fait. On améliore l'émission. Donc justement, c'est... alors, est-ce que j'ai sauté ? Celle-là, c'est toujours celle-là. Ah, mais oui, pardon. Ok. Oui, il y a plusieurs questions qu'on dit. Ok, on construit une émission. On a pas mal de questions à se poser. Donc, vous avez celle du créneau que je viens de vous expliquer. Celle de la fréquence. Donc au début, on effectivement était parti sur une mensuelle. Bon. Pour se faire un peu pour se faire est-ce que vous aviez écouté l'émission quand elle était en mensuelle ou vous l'avez découvert plus tard peut-être? En fait, ça a duré très, on est assez vite passé en un hebdomadaire, c'était juste de quelques mois en fait en 2018 le format parce que bah, du coup on est parti sur une heure et demie, enfin je sais plus, alors on essaie de se rappeler, mais je sais plus si la grille de programme que proposait Cause Commune, parce que Cause Commune, du coup, obtient cette bande FM, et pour eux et elles, l'enjeu, c'est de remplir la grille de programme, quoi, parce qu'ils ont une obligation par rapport au CSA de produire un certain nombre de contenus inédits. Ils ne peuvent pas faire une émission et leur diffuser en boucle, ce serait quand même pas très intéressant pour les personnes qui écoutent la FM. Et bon, donc, ils sont obligés de produire un certain nombre de contenus inédits. Une heure et demie, je crois que c'était aussi l'idée que ça nous permettait en fait, de faire des sujets suffisamment longs pour développer, pour creuser, pour rentrer dans le détail des sujets, et c'est comme ça qu'on a construit, et en fait très rapidement, et c'est devenu notre format classique, hein, qui est un sujet long d'une cinquantaine de minutes avec deux sujets courts chroniques quasi exclusivement, c'est-à-dire des rencontres régulières avec des chroniqueurs et des chroniqueuses. Et ce format s'est très vite installé comme notre norme. Il a fallu trouver un générique aussi, hein, c'est toute la construction, on va revenir en détail, mais bon, il faut créer aussi un peu une identité, donc on a dû trouver le titre de l'émission. On a passé du temps hein, pour le générique, il y a eu des brainstorming, il y a eu des recherches. C'est assez vite, on a brainstormé, on s'est donné le temps, mais je trouve Libre à vous, c'est assez vite dégagé. Il y avait une belle liste quand même, de titres possibles. On aurait pu la retrouver d'ailleurs. Alors, c'est pas hyper foulé, mais moi je le trouve bien ce titre. Parce que effectivement, comme Isa le disait, l'association s'appelait Libre à toi derrière l'émission. Je pense que ça les a un peu influencés. Et le vous, c'était parce que voilà, on tenait. Alors déjà, parce que le projet de l'émission se veut un projet collectif, que pour nous, le logiciel libre est avant tout un projet de société, un projet collectif aussi du coup. Et c'est ce vous, c'était un peu l'idée d'avoir cette liberté et collectif libre à vous. Et pour le générique, on cherchait une musique qui donnait, en fait, l'impression de l'action, d'être en action, d'être en marche, d'être en chemin. Donc là aussi, c'était une recherche. Et musique libre, bien sûr. Et sous musique libre. Et sous licence. Ça a mis du temps, parce qu'en plus, bon, bah, les goûts et les couleurs, et puis on ne connaît rien, on n'est pas on est un peu communicant dans les faits, dans le cadre des actions de l'April, mais. Voilà, enfin c'était très amusant de participer à la genèse un peu de cette émission. Il a fallu construire cette ligne éditoriale, donc qui a évolué d'ailleurs, parce que là-bas c'était vraiment de faire connaître notre action. On s'est dit bon, on va parler de ce qu'on fait. Notamment les actions institutionnelles, parce que oui, c'est un sujet complexe, c'est difficile vulgariser. Voilà, vulgariser. Je pense qu'une des premières émissions qu'on a fait, c'était sur l'open bar entre Microsoft et la Défense, ministère des Armées maintenant. Voilà, ce contrat entre et qui est un sujet complexe. Il y avait la directive droit d'auteur à l'époque. Des sujets un peu costauds, mais on s'est dit si on prend 50 minutes avec des personnes pertinentes pour en parler, on peut le rendre accessible, on peut le vulgariser, on peut intéresser des gens qui ne seraient pas forcément exposés à ces questions et on peut les intéresser à ces enjeux. Et tout de suite, d'ailleurs, on s'est dit voilà, bon, la FM, on veut toucher un grand public, le podcast aussi, donc on doit toucher dès le départ. On a compris qu'il fallait qu'on réussisse à jongler entre rendre nos thématiques accessibles à des personnes qui n'y connaissent potentiellement rien.
Donc ça ne veut pas dire faire des émissions simples, mais voilà, rendre accessible. Et enfin, c'est ce qu'on se disait aussi, c'est parfois on écoute des émissions, on ne connaît rien au sujet, mais on va accrocher. C'est certes compliqué, mais ça attise notre curiosité. Voilà. Donc c'est cette capacité à rendre accessible. On fait au mieux, je pense qu'on y arrive plus ou moins bien en fonction des émissions. Et de toute façon, on s'améliore. Et au-delà de ça, après, on s'est rendu compte qu'il s'agissait aussi... c'est intéressant de donner la parole à d'autres personnes qui font très bien aussi la promotion, et, enfin, qui agissent très bien pour la liberté informatique. Et en fait, on ne parle pas que de logiciels libres. En fait, on se rend compte que dans une approche holistique, presque, ça tout se recroise. Quoi. Et puis, 50 minutes, c'est une durée intéressante parce que ça donne vraiment temps aux personnes de développer. Et on a déjà eu plusieurs personnes intervenantes qui nous ont dit merci parce que je me suis sentie écoutée, j'ai pu développer mes sujets, ça m'a pas forcément arrivé dans d'autres occasions, donc c'était important que les gens se sentent à l'aise et qu'ils ne se sentent pas pressés du fait où il faut que je le fasse vite à tout prix. 50 minutes, c'est un temps suffisant pour donner la parole à 2-3 personnes intervenantes. Je sais pas, c'est l'initorial à proprement parler, on s'est vite posé le truc, après ça correspond mieux à nos personnalités, on n'est pas des journalistes en mode on va aller coincer les personnes, leur tirer les verres du nez, on est des gentils, on invite nos amis pour qu'ils puissent nous parler, enfin nos amis et des personnes qui ont des choses intéressantes à dire pour leur permettre de développer sur leur sujet, mais c'est vraiment, ça se veut en cas de bienveillant. Quoi, hein. On ne fait pas de questions pièges, au contraire, on prépare l'émission avec les personnes intervenantes. Ouais. Le but, c'est de donner la voix, de donner de l'espace à ces personnes. Donc on n'est pas des journalistes, on est des animateurs, des animatrices, on donne une opportunité aux autres. Et donc, on les invite à participer, même à la construction de la trame, du déroulé, même s'il y a toujours une partie d'improvisation, bien sûr, parce qu'on essaie de faire un échange vivant aussi. Au départ, on était peut-être plus scolaire, parce qu'on ne savait pas trop comment bouger, mais c'est vrai que l'émission est plus sympa aussi pour le public quand il y a une partie de rebondissement, d'improvisation. Oui, l'échange vivant. C'est un bon équilibre. Quoi. Alors je vous parlais effectivement du format mensuel à la base, on s'était dit que c'était peut-être plus raisonnable par rapport à ce qu'on connaissait pas l'exercice, mais assez rapidement, donc on a commencé, la première c'était en mai 2018, et dès janvier 2019 on est passé en hebdo, et donc la question, voilà, est-ce qu'une mensuelle, la première question de la visite, c'est de dire, une mensuelle ne vous suffisait pas, bande de malades, parce que quelque part passer sur, c'est un vrai engagement sur cette idée de passer en hebdomadaire, c'est vrai que c'est du boulot. Mais en fait, c'est du boulot qui nous sert par ailleurs sur nos actions de l'April. Par exemple, si on invite des gens sur des dossiers insuels, par exemple la directive droit d'auteur, d'une, ça va produire du matériel de sensibilisation qui va nous permettre, au-delà de l'émission, de sensibiliser sur le sujet. On va faire intervenir des personnes qui ont des choses intéressantes à dire. Donc ça va aussi nous renforcer. Nous, on va se former, on va s'améliorer sur les questions. Donc en fait, c'est... Sur les argumentaires, voilà, aussi. Donc on produit certes l'émission, mais c'est vraiment pas du temps qui n'est que dédié à l'émission. Ça nourrit aussi tout le reste autour de ça. Parce qu'effectivement, le temps salarié, c'est du temps qui est financé par l'activité des membres. Et quand les membres ont cotisé à l'April, c'était pas forcément pour produire spécifiquement ce genre de contenu. Mais finalement, on est plutôt bien soutenu là-dedans. Donc ouais, pourquoi on l'a fait ? Parce qu'on s'est rendu compte... que si on voulait fidéliser, il y avait quand même cet enjeu de fidéliser aussi un auditorat autour de notre émission. Un rythme hebdomadaire est beaucoup plus efficace parce qu'on sait que c'est tous les mardis à 15h30. Il n'y a pas besoin d'expliquer que c'est le dernier mardi, le premier mardi du mois. Alors quand il y a 5 semaines, est-ce que c'est... Voilà, c'est toutes les semaines, c'est beaucoup plus efficace. D'ailleurs, on a Fred beaucoup plus que nous peut-être, mais on a essayé aussi de se renseigner, parce qu'il y a des études en fait, qui existent aussi sur les phénomènes de fidélisation, sur les podcasts, il y a beaucoup de... Il y a une mode sur les podcasts, il y en a beaucoup qui sont produits, donc il y a beaucoup de réflexions aussi sur, même si on veut d'abord être une émission d'FM, mais il y a... Oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais Fred fait beaucoup de travail de recherche sur ça, justement pour que ce soit plus simple de fidéliser, de communiquer aussi sur la radio. C'est une autre tâche dont on ne se souvient pas, mais il y a celle-là aussi. Comment les autres radios fonctionnent, comment les autres émissions font, comment les autres font pour que ça marche. Oui, tout à fait. Et voilà, la question, par contre, c'était qu'on a dû se poser quand même assez sérieusement, c'était est-ce qu'on allait pouvoir tenir le rythme mensuel, ça prenait déjà du temps, mais en fait, on pouvait améliorer, alors déjà, parce qu'on a commencé à étoffer l'équipe, on prenait aussi on s'améliorait, quoi, on prenait nos appuis, donc il fallait savoir si nous, on pouvait produire avoir l'émission, si par exemple, on sait qu'on transcrit, on a une équipe de transcription à l'April qui fait un boulot génial. La transcription, c'est de prendre du texte, enfin de l'audio, des vidéos et les amener en texte.
Et pour nous, la transcription, ça sert pour l'accessibilité, l'archivage, l'indexation. Et donc, du coup, dès le début, on s'est dit qu'il fallait transcrire toutes les émissions de l'April. Avec, voilà, c'est que des bénévoles hein, qui transcrivent les émissions. Donc, c'était aussi une réflexion, du coup, surtout à l'époque, avec Marie-Odile qui anime ce groupe de travail. Et est-ce qu'elle acceptait de prendre cette charge supplémentaire et de continuer à participer à une aventure sur partir en hebdo. Et elle a dit banco et elle suit, ils et elle suivent le rythme. Ouais, et elle a trouvé une autre personne, Eve, qui l'aide énormément. Donc merci à elle. Et donc voilà, elle est un peu soulagée dans son travail. Les transcriptions arrivent très vite. Comme on vous dit, c'est vraiment un travail collectif. On peut se poser la question de combien il faudrait de libris pour faire une hebdo. Et on va essayer de vous donner quelques pistes. Vous reconnaissez les personnages de G, peut-être. Et exactement. Donc, c'est un projet collectif. Donc, il y a l'équipe salariée, comme on vous a dit, qui a commencé à monter le projet. C'était normal que ce soit nous. Mais comme tous nos projets, on veut vite intégrer en fait d'autres personnes, que ce soit des membres actifs, des soutiens, des bénévoles, hein, pas forcément des membres d'ailleurs. Hein, il y a des personnes qui sont pas membres April, mais qui participent au projet. Et donc pour avoir une émission hebdomadaire, une chose importante, c'était de être autonome pour ceux qui ont la partie technique de la régie. Parce que comme je vous ai dit, la radio c'est une radio associative, je crois qu'ils n'ont même pas de salariés à présent, parfois ils ont un salarié, parfois même pas, il fallait être autonome là-dessus, et donc on te met devant une console avec des programmes que tu as jamais vus, avec des micros à gérer, et tu sais que tu dois envoyer des voix et des jingles et des musiques à l'antenne en direct. Je peux vous dire que au départ on était très stressés, mais on se forme, voilà, on prend le temps. Je ne saurais pas quantifier combien de temps, peut-être qu'en 2 heures on comprend tout ce qu'il faut. Après il faut la pratique pour prendre la main, et après l'expérience, ça permet de gérer tout ce qui est l'imprévu. C'est-à-dire que quand tout va bien, il n'y a pas de souci. Mais après, parfois le micro ne marche pas et on ne comprend pas, pourtant le bouton est allumé. Parfois, il y a la personne au téléphone, on ne l'entend plus. Donc en fait, ce qui prend le plus de temps et qui stresse le plus, c'est de comprendre les bugs et comment les résoudre. Et après, quand on sait les résoudre, on va vite les documenter. Comme ça, on sait comment on va s'y prendre. Mais pour vous dire qu'on n'aurait jamais imaginé. Ah si, moi je suis juriste de formation. Quand j'ai été recruté à l'April, je m'imaginais pas déjà faire une émission de radio et encore moins m'amuser à monter des potards, lancer des virgules musicales, etc. Et je sais pas pour toi, moi je m'éclate, j'adore faire la régie, c'est hyper amusant. Et en plus, donc je suis derrière la vitre. J'imagine que vous imaginez facilement à quoi ressemble un peu un studio, c'est-à-dire qu'il y a une table avec les micros, une vitre insonorisante, et puis derrière la console. Donc moi, du coup, je suis là. C'est assez facile quand tout se passe bien, et je suis aux premières loges pour écouter une super conversation entre des gens passionnants. Donc Je confirme aussi, je m'éclate à faire la régie. J'aime beaucoup. J'étais un peu stressée au départ, mais finalement, c'est marrant. Et puis, alors, donc, quand on envoie en direct une émission, en même temps, on enregistre l'émission. Pour finir sur la régie, effectivement, comme c'est en direct un mardi, c'est essentiellement nous qui nous occupons en tant que salariés, mais on a déjà pu... on est en train de former un troisième bénévole. Dans le passé, on en a déjà eu deux. Alors, effectivement, un retraité et un étudiant, parce que disponibilité, effectivement, un emploi du temps qui le permet. Là, c'est une personne... Tu fais bien de le dire, donc Thierry a rejoint l'équipe. On essaye de toujours aussi s'appuyer autant que possible sur les bénévoles. Et si vous avez envie, on va revenir dessus, mais il y a pas mal de manières de contribuer à Libre à vous, si ça vous intéresse... d'aventure, notamment la régie, mais qui est la plus contraignante, effectivement. Et c'est important, parce que si on a une contrainte, une absence, c'est bien de savoir qu'il y a quelqu'un qui peut prendre le relais, parce que sinon, l'émission, ça ne se fait pas. Donc, c'est important d'avoir une équipe régie avec suffisamment de personnes. Et puis, comme je vous disais, pendant qu'on envoie en direct, il y a aussi un enregistrement, ce qui permet par la suite de réaliser un podcast. Le podcast, il y a le fichier natif. Et après, le podcast, en fait, on veut que ce soit le plus propre possible pour
pour que la qualité de son soit le plus agréable possible pour les personnes qui le téléchargent. Et donc, il faut un travail supplémentaire, bien sûr, de traitement des podcasts, qui signifie enlever, essayer d'enlever les bruits, des personnes, les pauses trop longues. Si on a oublié l'émission, par exemple, d'envoyer une pause musicale, on envoie une pause musicale erronée, et ben, il y a cet ajustement à faire. Donc, c'est un vrai travail qui demande des compétences. Il faut connaître des logiciels spécifiques. Il y a Audacity, mais pas que. Audour aussi. Voilà. Et donc, on avait besoin... Et en plus, ce qu'on aimerait, c'est que le podcast soit rendu disponible le plus tôt possible. Donc, nous, on a décidé qu'on n'allait pas prendre cette tâche-là. On pourrait apprendre. Il y a des bénévoles de l'équipe podcast. C'est vraiment que des bénévoles qui ont appris sur le tas. Il y a deux personnes en particulier qui ne savaient absolument pas utiliser ces logiciels et qui se sont dit, je me lance dans l'aventure parce que tout est documenté. Et donc, ça me permet de prendre la main. En plus, il y a les autres personnes de l'équipe podcast qui peuvent les former, qui peuvent répondre à leurs questions. Mais ça prend du temps. Voilà, je crois que ça prend, il faut compter 3-4 heures quand même pour nettoyer. Oui, je pense nettoyer. Que ça dépend. Ça dépend des personnes. On a la chance, on peut remercier Sylvain Kotzmann qui a été le premier qui faisait tous les traitements au début, puis l'équipe s'est étoffée. On a beaucoup de chance d'avoir notamment, tous et toutes les avoir, mais notamment Samuel qui, lui, il est ingénieur son, donc il a une vraie maîtrise des outils, non seulement pour ça, mais surtout il est extrêmement pédagogue. Et donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle recrue, il leur propose un vrai accompagnement vers les outils. Mais Élodie, elle était... Informaticienne, mais maintenant elle est pâtissière. Et je sais même plus comment elle a entendu parler. Elle était auditrice de Libre à vous. Elle connaissait pas l'April. On a fait un appel à bénévoles. Elle a dit allez banco, j'ai envie d'essayer. Et elle fait un super montage, elle fait un super traitement des podcasts maintenant. Il y a un traitement supplémentaire qui est fait par le directeur d'antenne. Oui. Donc ça c'est pour le podcast. Pour le podcast, c'est vrai que l'enregistrement propre, au-delà de parce qu'on veut prendre soin des oreilles des personnes qui nous écoutent, je vous parlais de fidélisation, c'est hyper important pour ça aussi, parce que en fait, on comprend très bien que quelqu'un, si on propose à chaque fois un contenu sale à écouter, où il faut se tendre l'oreille parce que ça grésille, etc., on n'a pas envie en fait d'y retourner. Donc c'est vrai que autant on est patient pour le direct. Voilà. Autant on s'attend à une c'est qualité, normal. Parce que les autres podcasts aussi sont de qualité, donc il faut qu'on se mette quand même dans le même créneau, voilà. Pour faire une hebdo, on vous a dit un sujet principal autour de 50 minutes. Il y a toujours une chronique au début, une chronique à la fin. Les chroniques aussi, ça se prépare, ça dure entre 5 et 10 minutes en moyenne. Je peux vous dire que même pour une chronique qui dure de 5 à 10 minutes, il faut la préparer en amont, ça demande des heures, parce qu'il faut trouver le sujet, il faut faire des recherches, il faut préparer son discours, il faut préparer son minutage, il faut se documenter, parce qu'on n'est pas forcément, on maîtrise pas forcément tout ça. Donc ça demande du temps, ça demande du boulot, et ça demande d'animateurs, animatrices qui parlent de ce sujet à la radio. Et donc, si ça devient mensuel, vous faites le calcul, il y a 4 à 5 mardis par mois, et ça fait beaucoup de chroniques. Et on a la chance d'avoir une équipe de plusieurs personnes qui font des chroniques bénévolement. Et donc, on a des chroniques, par exemple, comme des chroniques plus humoristiques de Luc et de G, qui nous a rejoint cette année, donc j'en profite pour le remercier. On a une chronique qui est humoristique, mais aussi pédagogique, de Laurent et Laurette Costi. Donc Laurent, c'est administrateur de l'April. On a Pépite Libre, donc c'est notre vice-président, qui raconte, qui parle, qui présente une ressource sous licence libre, inattendue la plupart des fois. Donc par le passé, on a eu d'autres chroniqueurs et chroniqueuses qui peut-être ils ont quitté l'aventure parce qu'ils n'avaient plus le temps. C'est que des bénévoles. Que des bénévoles. Et donc un grand merci à eux et à elles parce que ça nous permet d'avoir de remplir la grille comme disait Étienne chaque mardi. Et on se rend compte, je trouve, à travers les saisons, il y a on les sent aussi ils prennent plaisir. Nous, pour nous, c'est important de nous assurer qu'ils prennent du plaisir à le faire, qu'elles et elles prennent du plaisir. Et il y a une montée aussi en qualité. L'expérience fait tout, quoi. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour de cette question. D'ailleurs, on parlait de Mario Dill. Mario Dill fait les transcriptions et il fait aussi une chronique
où elle prend un sujet autour duquel il y a eu plusieurs transcriptions, et un sujet qui l'inspire, et donc il le présente. Et en fait, elle était moins à l'aise à parler à la radio, et on a trouvé un moyen en fait de diffuser ses chroniques. C'est une personne, c'est Laure Elise, qui bénévole elle aussi, qui prête sa voix et qui donc raconte la chronique de Mario Dille à sa place, et ça marche super bien. Donc une autre chose auquel on n'aurait pas pensé, et c'est arrivé, on a trouvé une solution, et les deux sont très satisfaites de ce format. Autre question, c'était effectivement très sympa de faire une belle émission de radio, de produire de beaux podcasts, mais si personne ne les écoute, ça ne sert à rien. Et donc c'était aussi cette question, et en fait qu'on continue à se poser tous les jours. Alors là, oui, vous appréciez mon immense maîtrise de GIMP. C'est un photomontage d'une très grande qualité, comme vous pouvez le constater. Donc voilà, la question de comment faire connaître Libre à vous. Comment faire connaître Libre à vous et comment fidéliser, c'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement que les gens nous découvrent, il faut qu'ils aient envie de continuer à nous écouter et puis même de faire découvrir à d'autres ensuite. Déjà c'est les chroniques régulières, effectivement, ces rendez-vous réguliers. On a envie d'aller écouter la nouvelle chronique de Vincent Calame, qui a d'ailleurs une voix magnifique pour la radio, je trouve. On a envie d'écouter la dernière pépite de Luc qui nous fait rire et qui nous titille un petit peu. Enfin, voilà, donc ça a fait partie de ces choses-là. Bien sûr, créer aussi une identité visuelle. Alors, ça commence notamment par un titre, mais par un logo, parce qu'il faut le mettre en forme. Alors, je ne sais plus, je voulais vérifier, j'ai oublié. À partir de quand on a eu un logo, mais assez rapidement il a été posé, ce logo, dès la première ou deuxième saison. On ne sait plus, c'est pas grave. Je ne suis pas en mesure, mais c'était pas tout de suite. Ouais. Voilà. Et en profiter pour remercier Antoine Bardelli, qui est un graphiste bénévole qui travaille bénévolement avec l'April depuis de nombreuses années maintenant, et qui nous a proposé ce logo qui nous a tout de suite beaucoup plu. On reconnaît un peu les formes d'ondes derrière. Alors, on le voit mal, mais... En fait, ça reprend les couleurs qu'on utilise déjà à l'April, le bleu pour le sérieux. L'orange, c'est nouveau, mais le bleu pour le sérieux, l'orange pour l'énergie. Oui, c'est ça. Mais du coup, il y a une identité propre, quoi, par rapport à... Et qui renvoie déjà aux couleurs de l'April historique. Donc, cette identité visuelle. Et on a tout aussi, on s'est dit que c'était bien. Au début, on publiait tout sur le site web de l'April. Et puis, à la quatrième saison, je crois, on a... Alors, pour ceux qui connaissent l'April, on a un site web, effectivement, ça fait partie de ces serpents de mer. Le site web de l'April est ancien. Effectivement, c'est sur du Drupal, il est très complet. Quand on sait naviguer dedans, on retrouve. Il est très efficace, mais voilà, il n'est peut-être pas dans l'air du temps. Donc il y a ce projet, un jour, c'est dans les tiroirs, dans les projets actifs, on va dire. Mais bon, déjà, on s'est dit, on va s'occuper des sites plus faciles, on va se faire la main sur des sites plus faciles où il y a moins de contenu, et c'était un peu l'idée de faire un site vitrine pour Libre à vous, notamment aussi dans cette idée de faciliter l'accès à l'émission, de fidéliser. Peut-être que vous le connaissez déjà, je vais quand même le montrer en deux secondes. Alors, c'est un site qui, pareil, a été. Alors, c'est sous SPIP. Antoine Bardelli a fait la. Alors, du coup, j'ai pas la. C'est pas grave. Antoine Bardelli a fait le graphisme. On va remercier Vincent Calame qui a fait les scripts d'import de tous les contenus vers ce nouveau site. Et Jean Galland qui a également participé. C'est un spécialiste SPIP. Voilà. En fait, ils étaient à trois entre design et partie. Donc c'est un site qui est vivant avec un moteur. Alors voilà, pour vous donner peut-être quelques évolutions récentes. Alors je ne sais plus si on l'a implémenté. Donc il y a une fonction de recherche, bien sûr. On s'est dit que ce serait intéressant, parce qu'il y en a aussi un site dédié aux transcriptions, de pouvoir faire quand on fait une recherche, il ne le voit pas, le site. Croisée. Ah, il ne le voit pas, c'est pas grave. Nous faire une recherche croisée vers le site des transcriptions. Effectivement, si on veut chercher une citation, alors sur de l'audio, c'est moins bien, mais sur du texte, c'est utile. On va proposer, on sait que ce serait peut-être pour des gens qui ne connaissent pas l'émission, 158 émissions, on arrive sur le site par où je commence. Donc de faire proposer, de mettre, alors du coup, comment on le présente en termes de design, mais de proposer une courte sélection d'émissions. Voilà, donc c'est... c'est pas quelque chose de figé, mais en tout cas, c'est une grosse contribution bénévole et elle est importante pour le... excusez-moi, je navigue dans mes onglets. Hop, pour l'identité visuelle. Et pour l'identité...
Tu as complété? Oui, c'est pas qu'une identité visuelle, oui, c'est aussi une identité sonore. Et pour l'identité sonore, effectivement, donc, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'écouter des émissions, bah, il y a des sons que vous reconnaissez, notamment des jingles. Et on a, je vous ai parlé de Laure Elise qui prête la voix à Mario Dille pour une chronique. Bah, c'est la même personne qui est actrice de profession qui a ajouté donc sa voix sur des jingles pour que l'émission soit reconnaissable. Et puis, on fait attention, on en parlera peut-être un peu plus plus tard, mais on fait très attention au retour des personnes. On nous avait dit que le jingle qu'on utilisait pour passer d'un sujet à l'autre était très trop violent, trop musclé. Nous, on s'en apercevait pas parce que on a l'habitude, on n'entend plus les, on fait plus gaffe. Mais plusieurs personnes nous ont dit, mais ça casse un peu les oreilles ce jingle. Et bah du coup, on en a cherché un autre et en fait, on a repris un jingle qu'on utilisait déjà. On l'a un peu raccourci. Et puis on a fait aussi des, je sais pas pourquoi on l'a mis là, mais on a fait aussi des goodies autour de l'émission. Par exemple, un t-shirt comme vous le voyez ici, des autocollants, des affiches, des flyers, et c'est aussi l'occasion de remettre des goodies aux personnes intervenantes qui interviennent bénévolement sur leur temps. Donc c'est une façon de remercier. De goodies, un sous-vert qui est le dernier goodie sorti des usines d'April. C'est un sous-bord au sous-vert, comme vous voulez. Voilà. Ça en fait on a déjà parlé. Et si j'ai piscine pendant le direct, comment je peux pas écouter l'émission? Bah voilà. Donc c'est tout ce qu'on a dit. Production d'un podcast, voilà, pour que ce soit propre, etc. Pour les rendre plus accessibles, on découpe tous les podcasts aussi par sujet, parce qu'une heure et demie d'émission, c'est peut-être moins facile à écouter. Donc on s'est dit, si on les rend accessibles sous format que ce soit les chroniques et le sujet long de manière séparée, c'est peut-être plus facile à réutiliser. On a un flux RSS auquel on peut s'abonner, on diffuse sur le réseau, et on relaie sur linuxfr.org, bon, des choses assez classiques, mais voilà, qui étaient... pour nous effectivement importante et on arrive voilà à cette question, je parlais d'éditorial, mais voilà de quoi on cause dans Libre à vous. Déjà c'est un peu de ce qu'on a envie de parler, finalement l'intérêt, l'opportunité si on voit un sujet passer, et parce que très vite on s'est dit que ça ne servait à rien de parler que de ce qu'on fait, déjà parce qu'en fait bon, on fait pas mal de choses, mais toutes les semaines on aura vite fait le tour. On parle. Je reprends la parole. C'est pas grave. Donc, justement, l'intérêt, les actus, par exemple, la semaine prochaine, on a un actu, on a un sujet principal consacré à Mastodon, de par le fait que Twitter a été racheté par Elon Musk. Il y a pas mal de personnes qui ont fermé leur compte Twitter, qui ont cherché des alternatives. On l'a vu aussi, l'impact sur l'instance Mastodon de l'April. On a pas mal de personnes, des milliers de personnes même qui ont ouvert un compte. On essaie aussi de trouver toujours un sujet fort pour démarrer à la rentrée, parce que la saison en fait commence en septembre, hein, comme les années scolaires. Donc par exemple, on a eu Alexis Kaufmann, fondateur de Framasoft, qui est intervenu dans la toute première émission de la saison qui a commencé en septembre, parce qu'aujourd'hui il a une mission logiciel libre auprès du ministère de l'Éducation. Donc ça nous paraît pertinent et de démarrer la saison comme ça. On a bien sûr les suggestions du public. Par exemple, on a un auditeur fidèle qui nous a proposé un sujet qui semblait difficile, la reproductibilité des environnements pour la recherche. Et bah, il a trouvé les personnes intervenantes et finalement, on a réussi à faire un sujet qui était tout à fait compréhensible grâce à la pédagogie, aux propos très simples, très clairs, utilisés par ces personnes. Les actions des camarades, des autres associations, bien sûr, on a envie aussi de présenter toutes les associations, les organisations qui promeuvent le logiciel libre. Donc, s'ils font des choses intéressantes, on est ravis de pouvoir les promouvoir à la radio. Ça peut être aussi pendant des brainstorming, des réunions, tout simplement, entre les personnes qui font partie de l'équipe éditoriale. On passe en revue les sujets et on se dit, tiens, ça peut être l'occasion de faire celui-là qu'on avait noté. Et puis, ça peut être aussi des découvertes. Donc, nous, on est en permanence sur Internet. On tombe sur... on suit, en fait, l'actualité du livre. En fait, de la veille, donc c'est normal qu'on tombe aussi sur des choses. On s'est dit, ah tiens, ça, j'aimerais bien approfondir ce sujet-là. Voilà pour la diversité des sujets. Et puis, on a beaucoup de
diversité aussi dans les profils. En fait, sur les stands, on ne l'a pas noté, mais sur le stand, on discute avec des gens. Et, en fait, c'est aussi l'occasion, souvent l'occasion de rencontrer des gens qui pourraient nous proposer des choses hyper intéressantes. Et c'est un bel endroit pour avoir des idées de sujets. Voilà, pour vous donner des idées de sujets. En fait, bon, le temps filant, non exhaustif, bon, les actions de l'April, les sujets techniques, on a parlé de Naxlad, Matomo, VLC, des méthodologies de travail, DevOps, agilité, plein de sujets politiques sur finalement, l'écologie. Là, ça va quand même être un gros sujet quand même, sciences ouvertes. On a reçu des députés pour nous parler de travail. La dernière émission, celle du 15 novembre, voilà. C'était notamment sous la... Voilà, avec Tristan Nito. Sous la sobriété numérique. Et transition écologique, ouais. Une très belle émission. D'ailleurs, je vous recommande d'aller chercher le podcast. Qui est, je ne sais pas si c'est déjà prêt, mais il le sera de toute façon début de la semaine prochaine. Et puis, voilà, une grande diversité d'intervenants, des techniques, des chercheurs, des chercheuses, des militantes, des politiques, voilà. Politique, peut-être dire aussi qu'on a... On a reçu Philippe Laton, voilà. Qui est intervenu voilà, sur la table ronde. Qui était hier soir à la table ronde. Il a écrit un rapport sur la souveraineté numérique où il parlait de systématiser le recours au logiciel libre, ce qui est quand même notable, parce que ce n'est pas une position très commune dans le corps, enfin dans... Le personnel politique. Bien dit. Et alors, il y a un point auquel on est très vigilant, c'est la question des représentations de genre, de la représentation des femmes aussi dans le milieu du libre, parce qu'on sait que c'est une grande question. Hein. Je crois que c'est le dernier chiffre, on est à peu près que 10% des libristes sont, enfin, dans les comités du libre, 10% des personnes sont des femmes, ce qui est très loin d'être satisfaisant. Et donc, on se dit, voilà, il ne suffisait pas. Il faut être proactif pour augmenter un petit peu cette représentation. On en est à près 30% de nos personnes qui interviennent dans Libre à vous, enfin nos invités sont des femmes. Voilà. Mais voilà, en tout cas, et ce qu'on constate et ce qu'on apprend, c'est que clairement, il faut être actif et très actif pour pousser ce nombre. C'est-à-dire que si on va contacter une structure, on le dit, on explique notre démarche et on dit vous avez sans doute des femmes compétentes qui peuvent en parler. On donnerait priorité à ça. Au minimum de faire... alors ça peut arriver, hein, y a des cas de toute façon, parce que le sujet, parce que la structure, qu'on se retrouve qu'avec des hommes autour de la table, mais pour nous, ça doit être vraiment l'exception. Et on s'appuie sur un site, d'ailleurs on suggère à tous nos intervenants de s'inscrire là-dessus. Donc si vous cherchez pour des interventions des femmes, il y a un site très bien qui s'appelle Les Expertes, c'est pas que pour les questions numériques, c'est pas que pour le logiciel libre, mais c'est un annuaire autoréférencé de femmes qui ont des expertises et à faire valoir. Et donc, on s'appuie notamment sur cet outil. Ouais. J'aimerais rebondir sur le fait que non seulement il y a moins de femmes, et ça, c'est un fait, hein, moins de femmes dans l'informatique et dans le libre, mais en plus, il y a des femmes qui sont compétentes, qui peuvent absolument intervenir et donner vraiment une très belle contribution à l'émission et qui ne se sentent pas forcément légitimes à le faire. C'est-à-dire que le syndrome de l'imposteur, en fait, il est vécu plus par les femmes que par les hommes. Et donc, rendre visibles les femmes, leur donner la parole, en fait, peut donner envie à d'autres femmes de faire pareil. Donc, c'est pour ça aussi. C'est pas que rendre visible, c'est mettre en mouvement quelque construire chose. Construire un imaginaire émancipateur. Et en fait, c'est là où je pense que... On fait pas strictement du logiciel libre, mais pour nous, ça fait partie un peu de notre... Ça rentre quand même dans notre ligne éditoriale, parce qu'on a déjà fait... deux ou trois sujets dans cette idée de la place des femmes dans l'informatique, la place des femmes dans les communautés du libre. Et en fait, voilà, notre ligne éditoriale, c'est on vise à une société plus émancipatrice, plus inclusive, qui profite de tout le monde, des énergies et des compétences de tout le monde. Ça, c'est en ça que ça rentre dans notre indépendamment de leur, mission, de leur genre. Voilà. Alors, on danse, Lisa. Est-ce qu'on danse sur Libre à vous, souvent ? Oui. Alors, déjà, le générique, on danse systématiquement parce que ça nous plaît beaucoup. Et puis, comme on vous a déjà dit, on utilise exclusivement des musiques publiées sous licence libre. Donc, licence libre, c'est, pour utiliser les Creative Commons, c'est CC BY ou CC BY CA. Ou licence art libre, il peut y en avoir d'autres, mais on ne veut pas de clause non commerciale en non dérivative. C'est pas parce qu'on boude sur la musique, nous-mêmes, on écoute
de la musique, voilà, qui n'est pas sous licence libre, mais c'est une émission sous le logiciel libre, sous la culture libre en général, sous les libertés informatiques. Bah, on a envie de mettre en valeur, de valoriser les artistes qui produisent de la musique, qui ont envie de la partager librement. Donc on essaie de trouver que des musiques sous licence libre. Et pour ce faire, donc, on s'appuie sur plusieurs sites, sous les suggestions du public. Donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. On a un bloc-notes collaboratif dédié aux musiques. Il est énorme maintenant, mais il y a énormément de musiques libres dessus. Donc vous pouvez y aller juste pour découvrir des musiques libres et vous pouvez juste rajouter si vous connaissez des musiques. C'est bienvenu. Il ne faut pas des musiques trop longues. Hein. Faites entre 2 et 3 minutes et demie, c'est mieux. Et puis on fait aussi des émissions spéciales playlist. On a fait aussi jouer en direct un artiste, Captain, lors du salon Open Source Experience, parce qu'on a eu l'occasion parfois de faire l'émission en direct à York dans le studio, donc c'est toute une préparation. 2021, donc c'est toute une préparation là aussi, mais c'était très marrant à faire. Et puis quoi d'autre sur les musiques? Remercier du coup, parce qu'on n'est pas les seuls à défendre une musique libre, bien au contraire, donc on va remercier Zik Libre Ambib, qui, ouais. Alors ils font pas que des musiques libres, mais c'est tout ce qui est sous Creative Commons, donc notamment ils mettent du NC, du ND, et ils sont tout à fait légitimes à le faire, c'est pas la question, mais en tout cas voilà, on s'appuie beaucoup sur leurs ressources, et sur le site au bout du fil.fr, au bout du fil, musique libre, vous trouvez. Et qui font en plus, je crois que c'est au moins une fois par semaine, ils publient une musique sous licence libre et ils expliquent un peu, ils vont parler de l'auteur, de sa démarche, etc., avec un petit contenu éditorial qui est, c'est très intéressant et souvent de bonnes sources de musique. Et à propos d'auteurs, d'artistes, si on a le moyen de le faire, on contacte les artistes pour les prévenir qu'on va diffuser leur musique. C'est une autre façon de tisser des liens, de les remercier déjà pour leur action. Ils sont contents, on a de bons retours. Voilà, je tenais à le dire. On reste quand même une association, pas que d'informaticiens et informaticiennes, mais en bonne partie, la documentation est très importante pour nous. On documente tout en fait. Hein, on documente. Alors pourquoi on documente? Pour nous. Parce que c'est pour pas oublier des tâches, parce qu'en fait il y a rien de très compliqué, mais il y a énormément de tâches à faire. Et puis c'est quand pour faciliter l'intégration, le tuilage, quand des nouvelles personnes nous rejoignent, donc on documente la régie, le traitement des podcasts, le traitement des photos, parce qu'on prend des photos, toutes les musiques. Voilà, je disais, on a un bloc-notes, donc on est très vigilant à cette documentation, c'est quelque chose d'important pour nous. Et c'est sous forme de wiki, sauf pas pour la musique, effectivement c'est sur un bloc-notes. Alors, parlez-nous de vous, parce que du coup, on cherche aussi à être au contact, pour s'améliorer, on a besoin des retours des personnes qui nous écoutent. On a besoin de feedback, en fait, que ce soit positif ou négatif, au point d'amélioration, comme on aime bien les dire à l'April, pour s'améliorer dans la vie comme dans la profession, il n'y a pas de mieux que le feedback, donc on a besoin des retours de nos auditeurs, auditrices, et par ailleurs, on va bientôt proposer un questionnaire justement sur notre auditora pour en savoir plus sur quels sont les points d'amélioration, ce qui vous plaît déjà, s'il y a des sujets dont vous voudrez entendre parler, et pour savoir aussi si on touche, c'est ça la chose importante pourquoi on a fait une émission, hein, je reviens au point qu'on a dit tout au début, on veut toucher de nouveaux publics. Donc, dans le questionnaire, on essaie de comprendre s'il y a d'autres personnes que des geeks, des informaticiens, informaticiennes, qui écoutent notre émission. Donc, on a posé des questions aussi dans ce sens-là. Donc, si vous écoutez l'émission, ça nous ferait vraiment, ce serait hyper utile que vous répondiez à ces questionnaires. Ça ne vous prendra pas beaucoup de temps, c'est 20 questions. À mon avis, 7 minutes, je crois qu'on a calculé. Voilà, 6-7 minutes, c'est plié et c'est hyper utile. Et on va l'annoncer, bien évidemment, via les différents canaux, donc le site, la liste de diffusion interne pour les membres, linuxfr.org, pendant l'émission, bien évidemment, sur les réseaux. Donc, dès que vous voyez le lien, si vous voulez prendre bien 6-7 minutes pour répondre, ça nous aide énormément. C'est une première manière de contribuer, mais voilà, il y a plein de manières de rejoindre l'aventure. Et à nouveau, vous pourrez constater mon talent avec GIMP. Bravo à Tienne pour avoir cherché les images. C'est lui qui a tout fait. Sous licence libre, bien sûr. J'ai pas eu le temps de les mettre, mais bien sûr, parce que normalement, on a cette pratique de lister les sources avec les licences, mais on mettra la ligne à conf et j'aurais bien pensé à faire ce listing
À noter les références, oui. Je te laisse la parole. En fait, on a déjà parlé un petit peu tout au long de la présentation comment contribuer. On a déjà donné des modalités, les retours, bien évidemment. Alors, les retours se font via les questionnaires, aussi par courriel. On a une liste de contacts, une adresse de contact à laquelle vous pouvez nous écrire. Il y a un salon de web chat en direct pendant l'émission. Vous pouvez écrire en direct ou en différé. Il y a la possibilité d'appeler et de laisser un message sur le répondeur de la radio. Et il y a aussi la possibilité de participer à nos réunions de bilan qu'on fait en fin de saison. Et après, comme je vous ai déjà dit, vous pouvez suggérer des sujets. Vous pouvez aussi rejoindre une équipe de travail, que ce soit l'équipe podcast, l'équipe de photos, l'équipe de régie, si vous avez du temps le mardi après-midi et que vous habitez Paris au proche banlieue. Transcription. Le groupe transcription, merci de l'avoir rappelé. Vous pouvez transcrire ou relire. Et puis, depuis cette saison, on a aussi proposé autre chose, c'est-à-dire vous pouvez aussi, vous aussi, animer un sujet principal de l'émission. S'il y a un sujet qui vous plaît, si vous avez des personnes intervenantes que vous connaissez qui pourraient parler de ce sujet, bien évidemment, c'est un métier d'animer à la radio, mais nous, on ne savait pas faire et on a appris. Donc, on peut vous coacher, on peut vous accompagner, mais vraiment, notre objectif, c'est que ce soit une radio participative où voilà, les gens se sentent à l'aise pour participer, pour contribuer. Donc ça, c'est une autre façon de le faire. Et puis, bien sûr, la meilleure façon aussi de contribuer, et ce qui est très, très simple à faire, très rapide, c'est de relayer, les annonces de notre mission, de faire connaître la mission autour de vous. Voilà, merci beaucoup. Alors, je mets les quelques infos utiles. Merci de nous avoir écoutés. Comme je disais, c'était un premier essai de ce modalité de conf. Peut-être que c'est trop long, peut-être que c'est très bien, peut-être qu'il y a des points d'amélioration. N'hésitez pas à nous le dire maintenant ou après. Et puis, si vous avez des questions, on sera ravis d'y répondre maintenant ou après. On sera au stand April par la suite. Je ne sais pas si vous aviez des questions à nous poser, des remarques. Merci beaucoup. J'ai deux questions par rapport aux URL. Vous avez parlé d'un pad et d'un wiki. Est-ce qu'ils sont publiquement accessibles? Et si oui, où? Alors, tout est publiquement accessible, oui. Le site de la radio. Le site, mais peut-être qu'il faudrait qu'on les mette mieux en avant. Ouais, on peut les rajouter, effectivement, c'est une bonne idée. Et je les rajouterai avant de mettre la conf en ligne. Je vais les rajouter sur la diapo et voilà. Sinon, c'est sous la page d'accueil du site en fait. Sous le site, tout est publié. Bah, voir si c'est assez accessible. Mais ouais. Oui, merci. Mais on va le rajouter au diaporama. Merci. Il n'y avait pas une deuxième question? Non. Ah, les deux URL. C'est pas les deux questions. Ok. Merci beaucoup de votre écoute. Et merci. Puis, au plaisir de se croiser sur le Capitole. Et puis on essaiera de continuer à produire des émissions qui vont vous plaire. Merci. Et merci à l'organisation. Et à la réalisation, merci.